Le crapin. Le crapin. Le crapin. Oh. Bonjour et bienvenue pour le quatrième J-Play sur Limbo. Donc Limbo qui est développé par Playdead et qui est un studio indépendant. Et donc nous allons continuer la partie. Ça va être short, bon. Parfait. Donc voilà, on était ici. Je viens de passer avec brio. Avec cette scie qui me faisait littéralement chier. Donc voilà. Oh, c'était quoi ça? Je pense pas qu'on puisse continuer par là. On va prendre l'échelle. Qui bouge un peu d'ailleurs. Et puis on va continuer donc notre chemin dans Limbo. Ah oui, c'est vrai, c'est une sorte de guêpe maçonne, je sais pas ce que c'est. Ou un moustique, peut-être. Bref, ça fait un bruit assez désagréable. Donc il va falloir se servir d'elle pour monter en haut. Voilà. Dès qu'elle lève la tête, en fait, il faut attendre qu'elle baisse la tête pour pouvoir avancer. Et on va essayer de choper sa patte comme ça. Donc j'ai réussi à finir le jeu tout à l'heure. Donc a priori, je ne bloquerai pas sur les précédents. Enfin, il y aura quand même des fails parce que j'avoue que les niveaux sont assez chauds. Voilà, parfait. J'ai chopé sa patte. Une bonne petite patte. Bon appétit, bien sûr. Après la pâte d'araignée, la pâte de moustique. Ça vous donne de l'énergie pour toute la journée. Bon bref, on va continuer. Donc si je me souviens bien, c'est à partir de maintenant que ça commence à être vraiment vraiment difficile. Les nouveaux sont de plus en plus tordus. Enfin les énigmes. Donc si je m'en souviens bien... Voilà, il va falloir que j'utilise donc la caisse qui est en haut. Que je monte là. Et il me semble qu'il faut aller chercher quelque chose. Oui, voilà, il faut aller chercher un pneu qui se trouve ici. Donc oui, ce passage est assez pénible. Voilà. Hop. Donc voilà, il y a la roue. La roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Donc on va faire comme ça plutôt. C'est la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. C'est le juste prix. Je dis plein de conneries, mais c'est pas grave. Dire qu'on n'a rien entendu. Hop! J'embarque la roue. Ah! Non! Gros fail. Bon, je crois que c'est dernière vidéo d'ailleurs pour la fin de Limbo. Je vais sûrement faire énormément de fails, je vous le cache pas, hein, parce que c'est extrêmement dur, des fois il y a beaucoup de timing et tout, et surtout quand je parle, c'est pas forcément évident. Et bon, je vais faire tout mon possible pour pas que ça arrive. Donc voilà, parfait, j'ai réussi. Tout en parlant, c'est pas parfait ça.
Et maintenant, on va pouvoir se servir de la roue pour pouvoir déclencher le mécanisme et donc libérer la caisse. Il est un peu handicapé comme gamin quand même. Faut tout lui faire. Je suis le gamin de 12 ans qui est handicapé, qui est nyctalope à la fois et daltonien parce que je ne vois pas les couleurs. C'est le gamin qui a tous les défauts quand même. Voilà! Parfait. Bon, ça c'est fait. Donc maintenant on va pouvoir monter en haut et utiliser les engrenages. Hop! Ah non, je crois qu'il faut prendre la caisse avec soi. Voilà, comme ça. Non, pas vraiment comme ça en fait, mais on va dire que c'était comme ça. J'aimerais bien descendre. Voilà. Aide-moi, aide-moi, pauvre petit garçon. Tout ce qu'on lui fait subir. Voilà. Je crois qu'il faut redescendre par là. Il descend toujours ses échelles bizarrement, pour pas changer. Peut-être qu'il faut toucher à cet interrupteur, je ne sais plus. Ah oui, je me rappelle. Il faut que j'aille chercher l'autre caisse en fait. Donc voilà. Il vaut mieux deux caisses qu'une. C'était la philosophie. Hop. Oula. Oula là 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 là. Oh! J'ai cru que j'ai fait un gros fail. Mais non, c'est bon. J'ai cru que j'allais me fracturer le cou. Comme souvent dans Limbo. Mais non, c'est bon. Je suis sain et sauf. Pour votre plus grand bonheur. Ou malheur d'ailleurs, parce que vous avez peut-être envie de voir que j'échoue. Mais vous ne le verrez pas de sitôt. Ah, ça c'était beau. Comme ça. Hey! Je veux y aller! Hey, c'est pas possible! Ah bah voilà! Il faut apprendre à sauter dans la vie. Donc là, nous sommes dans une zone plutôt industrielle, comme vous pouvez le voir, avec de l'électricité qui est franchement dérangeante dans Limbo. Mais bon, on va devoir. Non, en fait, c'est pas une bonne idée. On va essayer de se balancer pour pouvoir choper facilement la corde. Hey! Reviens! Oh là là, saleté de chaîne. Pas de chienne, hein, chaîne. C'est pas la même chose. Oui, je sais, je m'amuse comme je peux. J'étais à 2 pixels près. C'est pas juste. Le monde est trop injuste.
Pourquoi mes parents. Pourquoi mes parents m'ont condamné dans cette usine? Pourquoi je dois faire le dur labeur de tirer sur la chaîne? Pourquoi dois-je rétablir l'électricité? Pourquoi je suis daltonien? Pour petit. Il me fait presque de la peine, franchement. Avec toutes les épreuves qu'il traverse, il est mort au moins 30 000 fois. Et pourtant, on continue à lui faire du mal avec bonheur. J'en ai marre. C'est horrible. J'ai pas envie de traîner trop là-dessus en plus, parce que c'est pas le plus intéressant du... La plus intéressante des énigmes du jeu. Donc, ce serait bien de voir un peu autre chose. Non! Attends, il y a forcément un truc. Je vais lui dire de revenir. Et on va réessayer. Mais non, c'est pas possible, c'est trop rapide, non. Ah bah non, c'est bon. Hop. On se balance. T'as le Tarzan dans la jungle. Sauf que là, en fait, on est un peu le Tarzan de la mécanique. Comment casser tout l'esprit de Tarzan en une phrase? Moi, j'aime les plans. Non, j'aime la mécanique. Moi, aimer mécanique. Bref. Là, je sais plus comment il faut faire. Ah oui, d'accord, il faut pousser ça. Oula. Ah oui, je me souviens de ce passage. Alors là, c'est un passage assez original quand même. Où tout le monde se renverse. J'ai trouvé ça assez marrant. Faut s'écarter parce que je crois qu'il y a la porte qui va tomber. Alors voilà, là tu commences à découvrir vraiment le côté fou de ce jeu. C'est complètement irrationnel. Mais je kiffe! Vais-je mourir? Il y a de fortes chances que je meure. Alors là, je vous avoue que je me souviens pas trop de ce qu'il faut faire. Ok. Donc je crois qu'il faut... Non, c'est pas comme ça. J'avoue que j'ai oublié là. C'est un peu balou. Ah oui. Oui, en fait, il faut bloquer la caisse qui est ici. Et ben, il faut la bloquer au milieu là. Comme ça. Voilà. Et là, je vais voir si on peut attraper l'échelle d'ici. Mais c'est bon. Donc voilà. Là, on a juste à activer le bouton pour ouvrir la porte, et normalement, on aura le temps. Si tout se passe bien. Donc, en gros, si tout se passe mal, pour moi... Ouh là 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 là, c'est bon. Donc voilà, là, on avance tranquillement. Et là, ça commence à être vraiment hard. Je me rappelle ce passage, j'avais bien galéré pour le faire. Il est bien hard. Sauf que j'ai un peu failé là. Je vais sûrement me faire tuer. Non, c'est bon. Pfiouh. Alors là, il y a le monde qui tourne avec toutes les scies et tout. C'est vraiment oppressant. C'est vraiment un truc de dingue. Bon, je vais essayer de pas me faire trancher les pieds. Ça serait bien parce qu'un mec qui a plus ses pieds, c'est pas très pratique pour continuer l'aventure. Imaginez Mario sans ses pieds. Il pourrait plus sauter. Ce serait pas très marrant.
pour lui. Ouais, mais ça commence à ramer un peu. Excusez-moi pour le petit ramage. C'est pas prévu. Hop. C'est dur ce jeu. C'est... Là, j'ai réussi du premier coup, mais je vous assure que la première fois, c'est pas évident. Bah là, je crois que je dois juste me laisser tomber. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment un truc de dingue, ce niveau. Alors là, c'est pareil, même principe. Sauf que cette fois-ci, on a une boule qui va nous arriver, ainsi qu'une caisse. Il faut se dépêcher. Parce que sinon, on va se faire défoncer. Bah voilà. Ça c'est fait. J'ai pas assez rapproché la caisse et je vais me prendre la boule. Bam! Bon bah, c'était pas mal. On va recommencer. Hein? Jamais. Je ne lâcherai jamais. Non, je veux grimper. Je suis champion d'escalade. Ou pas. Hop. Ouh, je vais me prendre le truc moi. J'ai oublié qu'il y avait ça. Alors voilà, on continue. Papillon, je suis le papillon. Je suis le papillon. Je suis le papillon. Papillon, reviens. Papillon. Ah. Papillon. Le papillon. C'est bien. Oh, les papillons. Tiens, mais ne serait-ce pas la sœur de... du héros. Ah. Oh non. Non. C'est pas juste. C'est horrible. Juste alors que juste au moment où il allait retrouver sa sœur, il s'est vampirisé par ces monstres-là. Oh là là, j'avoue que je pensais que c'était... Enfin, je savais que c'était pas la fin, mais quand même, c'est dégueulasse. Ce jeu est dégueulasse. Sadisme. Je pense que t'as fini, mais en fait, non. Mais... C'est quoi ce bordel? Ils ont changé tout. Ouais, d'accord, si tu veux te faire tuer, c'est cool, ça. Personnellement, je suis pas très fan des trucs comme ça. J'ai pas envie de mourir. Ah, il y a des trucs qui permettent de me libérer. Hop, parfait. Bon, on va continuer dans cette direction du coup. Donc, on est bien parti. Voilà. Bon, là c'est... Ça commence à vraiment être tendu quand même. Hein. Ah ouais. Ah oui. Alors là, pour passer, je me rappelle que c'est aussi assez chaud. Alors en fait, il faut que je trouve le moyen pour passer au bon moment. Non, ça va pas. Parce qu'en fait, en haut, l'engrenage ne tourne pas dans le bon côté. Donc il faut faire en sorte que ça tourne du... Ah. Zut. Pour que, en fait... On passe vite à l'autre échelle et que de l'autre côté ça tourne du bon sens. Non! Bon, c'est pas évident. J'essaie de me concentrer, mais bon. C'est vraiment pas facile quoi. Voilà, parfait! Parfait, parfait, parfait. Maintenant, il faut pas que je tombe. Ça serait con.
Voilà, je suis passé. Donc a priori, maintenant, plus rien ne peut m'en empêcher. Je devrais gagner. Voilà, donc là on arrive à une pièce assez chiante. Oui, donc c'est pas comme ça, déjà. J'ai mal commencé. Donc on va faire ce petit passage avec le chariot. Puis après, on se quittera et on fera une peut-être une dernière vidéo parce qu'il reste pas énormément de choses après jeu. Je sais pas, soit une ou deux vidéos, on verra. Ça dépendra de mes fails. Donc on verra ça. Mais a priori, on est bientôt à la fin. Donc là, on va attendre. Le moment propice. C'est parti, mon kiki. J'ai cru que j'allais me faire avoir bêtement en faisant le con. Mais en fait, j'ai réussi. Donc je suis assez content. J'ai fait n'importe quoi et pourtant j'ai réussi. Alors ce passage est assez tendu parce qu'on se retrouve dans l'obscurité la plus totale. C'est la fin du monde. On va tous mourir. Ah bah non. C'était beau. J'essaie de passer désespérément ce passage. Mais en fait, c'était un peu. On va attendre que. Je suis fait trancher dans le noir! Oh mon dieu, c'est violent! Ah, j'aime ce jeu. J'aime quand il souffre. C'est vraiment magique ce jeu. Parfait! Ça, c'est du saut impeccable à l'intento. Et alors là, il faut pas se laisser avoir parce qu'en fait, ce bouton déclenche l'électricité. Alors, pour trouver ça, j'ai un peu galéré à mort pour trouver comment passer parce que le timing est vraiment short. Donc, il faut essayer de retenir comme ça. Essayer de faire ça. Je sais plus exactement comment j'avais fait. Je crois qu'il faut essayer de le retenir comme ça et de remonter au dernier moment, sauf que j'ai foiré. Voilà, comme ça. Et là, du coup, il ralentit un peu et on a le temps de passer. Voilà, parfait. Bon, bah, on va peut-être se quitter là-dessus. Ouais, après, c'est quasiment fini, hein, hélas, j'ai envie de dire, mais toute bonne chose à une fin. Donc, je pense que ça sera le dernier la prochaine fois, le cinquième. Donc, je vais vous laisser dessus cette... Allez, on va vous faire un petit fail. Dessus cette énigme. On va essayer de faire... oui, ça serait bien de... Voilà. Donc là, on se retrouve dans le noir le plus complet. Ayez peur, les enfants. Regardez ses yeux. Regardez ses yeux tout blancs. Ils vont vous hanter toute la nuit si vous inscrivez pas sur le Twitter. Mia. Bien sûr. Je suis coincé. Au revoir, les gens. Au revoir, monde cruel. C'était Gérald.